Yo les gars, c'est on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 jeux gacha. Euh, Qu'est-ce que c'est un jeu gacha C'est un jeu où tu as des invocations comme ça euh, de personnages. Et aussi un jeu un petit peu en mode animé, vous voyez le délire. Et donc euh, aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 meilleurs que, que je trouve. Et en tout cas, c'est les 5 que je joue tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, je me connecte. Euh, je joue euh, aux 5 jeux euh, pendant une petite heure. Euh, voilà, je fais mes petites missions quotidiennes. Et on va commencer évidemment par le plus connu Genshin Impact Alors si vous jouez pas encore à Genshin Impact Je pense que c'est le moment d'y jouer Parce que c'est vraiment euh, je pense le meilleur jeu de tous les temps euh, Clairement c'est celui que tout le monde joue euh, Tout ça tout ça Moi je vais pas vous mytho que j'y joue pas énormément En tout cas en ce moment j'y joue Parce qu'il y a euh, la nouvelle ville Fontaine Donc la 4.0 Qui est sortie il y a à peu près une ou deux semaines je crois Une semaine on va dire Et donc euh, voilà Fontaine c'est la nouvelle ville Sinon vous voyez que la map est énorme voilà la map, elle est vraiment gigantesque. Euh, et ce jeu, il est vraiment cool. Au début, vous allez surkiffer. Peut-être que dans 2-3 dans mois, vous allez un petit peu en avoir marre. Euh, c'est normal, parce que c'est assez redondant. Et il y a plein de défauts que je ne citerai pas. Mais euh, c'est quand même un jeu plutôt cool. Il y a beaucoup de personnages. Attendez, comment je peux vous montrer mieux que ça euh, Où est-ce que c'est Où est-ce que c'est C'est là. Regardez, il y a plein, plein, plein de persos. Ils sont très stylés, voilà hop 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 vous voyez qu'ils ont du style et tout donc voilà euh, sinon qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce jeu en gros c'est un jeu open world donc vous avez vu que la map est, est énorme c'est un jeu où vous avez des quêtes donc voilà vous, vous avez plein de quêtes euh, avec des personnages euh, il y a aussi du combat voilà des éléments voilà vous pouvez mettre des trucs vous avez des ultis voilà un peu le délire du jeu tu vois euh, genre on peut, euh, on peut se téléporter sur la carte, euh, on peut explorer, il y a plein de coffres, il y a des monstres, voilà là-bas là il y a un sanglier, enfin vous comprenez un peu, ouais là-bas il y a un loup, bref, voilà clairement le jeu, je l'ai expliqué un peu comme un sgeg, mais au moins je vous laisse découvrir par vous-même, et on va tout de suite passer euh, au deuxième jeu, donc celui-là c'était Genshin Impact. Ok les gars, on se retrouve sur le deuxième jeu euh, qui est fait par les mêmes créateurs que Genshin Impact d'ailleurs, mais vous inquiétez pas, c'est le, le seul jeu qui sera fait par le même créateur parce que les trois jeux d'après sont faits par des créateurs différents. Euh, mais du coup, que dire sur ce jeu Alors déjà, c'est pas un jeu open world, c'est un semi-open world. Mais moi, je veux pas vomito, je vois pas trop la. Enfin, je vois la différence, mais en gros, là, vous voyez que vous avez plein de maps. Voilà, c'est plein de petites maps, hop, vous avez même différentes planètes, il y en aura peut-être d'autres dans le futur. Et en gros, c'est un semi-open world, parce que es dans une, es, tu vois, es dans une map, mais euh, t'es pas vraiment dans une map entière. Enfin, bref, t'as capté. Euh, sinon, c'est à peu près pareil que Genshin, sauf que c'est pas des combats libres. C'est-à-dire que là, vous voyez que j'ai mon personnage qui est assez libre, sauf que quand je suis dans un combat, c'est pas du tout comme ça, c'est du tour par tour. Euh, bon, je vais vous montrer quand même contre un monstre, parce que sinon, c'est pas ouf. Hop mais du coup, c'est vraiment presque comme Genshin. Sauf que voilà les combats. Attendez, là ça jouait tout seul. Vous pouvez mettre en automatique aussi, c'est rigolo. Donc vous voyez que vous avez vos persos, vous avez vos ulti qui sont là, qui brillent. Et puis euh, vous pouvez faire euh, des petites attaques. Euh, et puis c'est un tour par tour. Vous avez les tours à gauche, les personnages, les ennemis, etc. Donc voilà euh, un petit peu le but du jeu. Combat tour par tour. Euh, je vais vous montrer vite fait aussi les personnages. Voilà. Vous voyez qu'ils sont très jolis. Toujours dans le même délire animé. Voilà, il y en a plein. Et euh, des invocations, comme tous les jeux, qui sont comme ça. Donc voilà. Euh, comme d'hab, j'explique un peu n'importe comment. Mais au moins, vous, vous comprenez vite fait le délire. Et puis au moins, je vous montre des petits gameplays. Donc voilà, le deuxième jeu à installer, c'est Honkai Star Rail. Et on va pas parler de Honkai Impact, parce que j'aime pas trop, personnellement. Et en plus, c'est un vieux jeu. Mais si jamais vous voulez aussi un jeu bonus, regardez Honkai Impact 3 C'est ok, en vrai. Il est ok. Du coup, c'est parti pour le jeu suivant. Alors les gars, pour le troisième jeu, euh, il est encore assez connu, mais promis, les deux derniers jeux de la vidéo, vous les connaissez pas. C'est des jeux que vous allez pouvoir découvrir et vous amuser. Mais euh, pour le troisième, c'est euh, Tower of Fantasy. Et avant, euh, sachez que il y a plein de jeux Gacha qui vont sortir euh, dans pas trop longtemps ou vers la fin d'année. Par exemple, Weathering Wave, Endless Zone Zero, euh, Projet Mugen. Euh, Etc. 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 Donc, si vous voulez une partie 2 plus tard, euh, dites-le moi en commentaire et si vous avez des questions aussi. Alors, du coup, Toro Fantasy, euh, bah c'est pareil. Est-ce que c'est est -ce est un open world Pas vraiment. C'est pareil, il y, y a des maps. Euh, attendez, comment on tourne Ça fait longtemps que. Enfin, j'y joue pas vraiment beaucoup à Toro Fantasy euh, parce que, en gros, je me connecte juste parce qu'en ce moment c'est l'anniversaire, mais j'y joue pas énormément parce que. Bah, Enfin, déjà le jeu il est trop rempli, mais bref, je suis pas là pour dire de pas y jouer, je suis là pour vous dire d'y jouer. Donc, euh, allez y jouer, c'est très rigolo. Pareil, euh, comme d'hab, il y a des invocations. Voilà, euh, vous avez aussi plein de personnages, je vais vous montrer. Voilà, ils sont là. Hop, ils sont, ils sont quand même très stylés, je trouve. Comparé à, à certains autres jeux, euh, les persos ils ont quand même pas mal de style. Attendez, j'ai envie de voir les nouveaux persos. Regardez les nouveaux persos, comment ils sont incroyables. Franchement il y a beaucoup de travail sur les personnages mais après euh, sur le jeu en lui-même je sais pas. Mais du coup voilà Toro Fantasy, euh, petit jeu sympathique. Je vous conseille en vrai, parce qu'en ce moment il y a l'anniversaire euh, du jeu. Donc si vous voulez récupérer plein de récompenses, regardez-moi, il y, y a trop de récompenses, enfin euh, allez y jouer. Et puis voilà. Ok les gars on se retrouve sur le quatrième jeu qui s'appelle Mickey. Alors euh, c'est vraiment le nom du jeu, Nike. Euh, mais ça s'écrit avec un K, pas avec un Q, donc vous inquiétez pas, c'est pas un, un mot vulgaire. Mais bref, on s'en fout, je dis de la merde. Euh, donc ce jeu il a un tout petit peu différent des autres, c'est parce que vous pouvez pas vous balader avec un personnage. Enfin, vous pouvez, mais c'est avec un petit un petit chibi, euh, un, un tout petit bonhomme. Mais du coup, hop, les invocations elles sont là, pareil, comme tous les jeux gacha. Et ce jeu il a une petite particularité, c'est que au lieu de faire des combats, euh, vous voyez, euh, comme les autres jeux, en fait c'est avec des armes à feu et c'est un jeu de shoot. Euh, J'aimerais bien vous montrer... Alors attendez, avant je vais vous montrer les persos. Hop, comme ça vous voyez le style un petit peu. Hop. Bon c'est que des personnages féminins dans ce jeu les gars. Mais ils ont quand même pas mal de style. Euh, attendez, il a pas un personnage ultra ultra stylé. Je sais qu'il y en a, ils ont du flow de fou. Euh, attendez. J'essaye de me dépêcher. Euh, mais genre... Ils sont où Je trouve plus. Ah oh, ouais, genre elle Ou... Ouais, elle, elle. Enfin, vous voyez le délire, c'est des personnages assez stylés. Et euh, c'est un jeu de shoot. Comment je peux vous montrer ça euh, bah, Je peux essayer de lancer une game... Euh... Je vais lancer une game random. Hop, je vais faire ça. Hop, mock battle. Comme ça au moins vous voyez comment ça marche. Allez, 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 allez. Parce que les autres jeux, c'est vraiment différent. Hop, il y, y a le boss qui arrive. Et vous voyez que... Euh, bon là j'avais une en automatique mais vous voyez que là, regardez, le personnage ne tire pas Et donc là j'ai mon... mon curseur et je peux tirer Donc c'est vraiment un jeu de shoot, donc là vous voyez que j'ai ma souris qui bouge là blablabla Et je peux tirer comme ça, bam 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 Bon là c'est un boss donc il n'y a qu'un seul truc mais de base il y a plein de persos etc Donc voilà, c'est un jeu très stylé je trouve euh... Et puis en plus il n'est pas très connu donc n'hésitez pas à l'installer et à y jouer C'est très cool, d'ailleurs tous les jeux sont sur téléphone et PC Donc carré et le dernier jeu les gars, il est sorti vraiment hier, donc vous avez aucune excuse pour faire genre ouais, well, je le connais et tout. Ça s'appelle Danmachi Battle Chronicle. Alors, c'est pas un open world, c'est c'est un ouais, c'est même pas un semi open world. En fait, vous n'avez pas de map où vous pouvez vous balader comme les trois premiers jeux, vous voyez qu'on est sur la map, il y a pas là on est, dans... on est dans un lobby comme le jeu d'avant, sauf que les combats, c'est pas comme le jeu d'avant, c'est comme les trois premiers jeux. Vous voyez, genre on peut se balader et tout. Donc on peut se balader sur des maps et combattre, mais... Bref, vas-y, t'as capté. Euh, donc, vous avez ici les invocations. Bon moi il n'y en a plus parce que j'ai déjà tout invoqué. Normalement il y en a plein. Là il me reste que la bannière normale. Et euh, donc vous avez les personnages qui sont euh, juste là. Bon là c'est les miens. Euh, sinon tous les persos... où est-ce que je peux vous les trouver euh, Bah je peux pas je pense. Ah peut-être... Non je sais pas. Frère, je suis... je suis déjà perdu. Attendez, je réfléchis vite fait. Euh je sais pas, euh, vas-y, bref euh, sachez juste que vous avez des personnages et que c'est très cool donc voilà euh, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce jeu euh, bah, allez l'installer, tout simplement <laughs> en plus il est sorti il y a pas longtemps et je crois qu'il y a un million de téléchargements de joueurs, donc c'est très cool est-ce que je peux pas vous, mont vous montrer un combat par exemple je vais essayer de vous montrer un combat euh, vas-y je fais un combat random au pire j'abandonne après et donc voilà pour cette vidéo. Euh, avant de combattre, après, du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Euh, si, si vous avez des trucs et tout. Moi, bon, je l'ai one shot, mais c'est normal, j'ai pris un, un niveau nul. Donc voilà. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Si vous voulez me demander des trucs, euh, si vous voulez une partie 2 aussi, donc voilà. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Code créateur NCU sur tous les jeux vidéo. Et puis voilà. Allez, ciao!